RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. Web radio de Saint-Eugène. Site Saint-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Saint-Eugène en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la web radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEF Saint-Eugène. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEF Saint-Eugène, les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur play. Aujourd'hui, c'est notre septième émission de cette nouvelle année scolaire. Manu, notre élève éducateur, est toujours parmi nous. Il s'occupera des manettes. Bonjour Manu. Salut à tous. Deux animateurs, Luc Fuentes et Vanessa Tougne, psychologue à Saint-Eugène. Bonjour. Bonjour, nos journalistes en herbe sont là aussi. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes les vendredi 31 novembre 2018. Bonjour Rémi. Bonjour, n'oublie pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Harold. Bonjour, le dîner du jour, le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour. Et quand il n'y a plus de ballon, il y reste les copains. Jean-Pierre Rivet. Andrew. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les André. Bon et donc, les Andrew, bonne fête à Monsieur Andrew. Bonne fête, Andrew. Jimmy. Bonjour, conseil de santé pour éliminer les toxines, faites du sport. Et bonjour, Clément. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1, en direct. Au programme de cette septième émission. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Nous avons la chance et l'honneur de recevoir deux jeunes espoirs de l'ES Carcassonne. Nous terminerons avec les actus internationales et nationales, le météo et le sport. RDW, la web radio de Saint-Eugène. ITEF Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Les espoirs de Carcassonne. Allez, merci à toi Dylan de nous avoir présenté tout ça et à toute l'équipe d'RW. L'équipe d'RW qui est très contente de pouvoir accueillir ce matin deux espoirs de Carcassonne en la personne d'Hugo Bach. Bonjour Hugo. Bonjour. Et à la personne aussi de Mathieu Basque. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement arrière des espoirs de l'USEC. Et Mathieu, j'ai un petit souci parce qu'il y a marqué sur Internet demi de mêlée. Mais je crois que tu joues un peu à pas mal de postes. Alors, oui, j'ai été polyvalent, mais bon, je préfère le poste de centre. Poste de centre, c'est ça. On va commencer avec une première question par monsieur Andrew. Pouvez-vous vous présenter? Allez, qui commence? Moi, je m'appelle Mathieu Basque, j'ai 21 ans, je joue au centre à l'US Carcassonne et je joue à Carcassonne depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Depuis que tu as l'âge de 5 ans. Et Hugo? Hugo Bach, 20 ans, je viens d'Auch et c'est ma deuxième saison en espoir à l'US Carcassonne. Impeccable. Est-ce que tu as joué à Auch en étant petit? Oui. Quand tu étais petit? D'accord. On va revenir un petit peu justement avec cette question sur vos parcours un peu. C'est à toi, Jimmy. Quels ont été les parcours scolarités sportives et sportives? Alors,
Alors au niveau scolaire, moi je suis titulaire d'un DUT technique commercialisation que j'ai réalisé à Carcassonne et ensuite j'ai validé ma licence l'année dernière en commerce marketing à l'IDRAC Business School à Toulouse. Et toi Hugo ? Au niveau scolaire, j'ai eu un bac scientifique et j'ai enchaîné avec un BTS agronomie. D'accord. Charlemagne ? Oui, voilà. Ah tiens, Charlemagne, d'accord, je ne le savais pas. Ok, d'accord. Donc vous voyez, ce qui est important de retenir là, c'est qu'au-delà du rugby et au-delà de la carrière que l'on peut faire, c'est aussi d'assurer un petit peu les arrières avec des diplômes qualifiés et qualifiants qui vont permettre peut-être pour plus tard d'avoir de l'emploi. Mathieu, pour que ça parle un petit peu à nos jeunes et à notre jeune public, on n'a pas salué au fait. Merci aux jeunes de l'UP3 de participer à cette émission. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que tu peux dire, par exemple, à partir de ton diplôme, un métier, pas forcément celui que toi tu vas te destiner à faire, mais un métier, parce que ça leur parle pas quand on dit commercial vente, ça veut dire que tu pourrais travailler quoi, faire quoi? Alors on peut devenir commercial classique, ouais. En concession automobile par exemple, devenir agent immobilier, courtier en assurance, voilà, c'est quand même assez large. D'accord, et toi Hugo avec ton BTS agro? C'est plus des métiers dans l'agricole, ouais. Comme conseiller... Ouais. Agricole ou technicien agricole directement. Oui. Alors nous, on a une particularité à RW, c'est qu'on essaye toujours de marquer un petit peu de l'écologie. Est-ce que toi, avec ton BTS agricole, tu pourrais t'orienter vers des métiers justement écologiques? Et puis c'est d'actualité aujourd'hui. Oui, on est dans l'actualité avec la réduction des produits phytosanitaires. C'est ça. Et c'est tout l'enjeu du BTS, faire baisser... T'es en première année ou en deuxième année? Non, j'ai validé l'année dernière. T'as validé l'année dernière, donc c'est ta dernière année. On te souhaite bon courage. Impeccable. On va parler un petit peu de l'école de rugby. On va le citer, Jean-Pierre Basque, ton papa Mathieu, qui est un grand monsieur de l'école de rugby, puisqu'il en est le président. Toi, tu as fait ta carrière, donc, on va dire, de jeunesse à Carcassonne. Alors oui, je suis arrivé au rugby un peu par... voilà, c'était un peu destiné, parce qu'au début, j'ai essayé la natation, j'ai essayé le judo, et puis j'avais mon grand-père derrière qui me disait, mais mets-toi au rugby. Donc, un jour, j'ai décidé d'y aller, et bon, ben, depuis l'âge de 5 ans... Je pense que j'ai été drogué à ça et voilà, j'ai pas lâché. Eh ben écoute, c'est bien. Et toi Hugo, pareil un petit peu à Auch, sur Auch? Moi ouais, c'est de la famille en fait. Oui. J'ai mon grand-père qui joue à Auch, mon père et mon oncle qui ont joué à Auch. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu dans votre jeunesse des tentations de partir vers un autre club? Par exemple, ici on est en terre de rugby quand même, vers Narbonne, vers Castel. Est-ce que vous avez eu des propositions lors de votre jeunesse? Alors oui, moi j'ai eu une proposition du Castres Olympique. Mais bon, j'étais jeune et j'ai décidé de rester ici. Voilà, j'avais pas encore mon bac, j'avais 17 ans et j'ai préféré rester à Carcassonne. Et toi, vers Auch aussi, qui est une grande terre de rugby? Ouais, moi ça a plus été lorsque j'étais en U18 en fait, en Crabos. Oui. Proposition du Biarritz Olympique. D'accord. Mais bon, il fallait que je valide encore mon bac et mes parents n'étaient pas trop d'accord. Je suis resté à Auch. Ouais. Même si après, il y a eu des problèmes financiers du côté d'Auch. D'accord. Je suis vers l'US Carcassonne. D'accord, d'accord. Donc on voit quand même qu'il y a des choix de vie à faire à certains moments, voilà, qu'on rencontre tous, effectivement. Mais pour ça, vous avez eu une expérience, m'a-t-on dit, assez extraordinaire avec l'Afrique du Sud. Et tous les deux, vous y êtes allés, comme tu me disais Mathieu auparavant. Est-ce que vous pouvez nous dire et expliquer un petit peu à nos jeunes reporters quel était l'enjeu? Donc je rappelle, ils sont partis en Afrique du Sud. Alors moi je suis parti pour aller jouer dans une académie là-bas directement, donc dans le premier temps c'était pour apprendre l'anglais et mêler aussi ma passion avec le rugby, donc je suis allé à Stellenbosch Rugby Academy, c'est la plus grosse académie d'Afrique du Sud, et j'ai passé un mois, tout le mois de juillet en 2017 il me semble, et du coup voilà, j'ai joué pour l'académie, j'ai joué pour un club qui avait là-bas, et voilà, c'était vraiment très enrichissant d'être au milieu d'une culture différente et d'un style de vie différent. Et pour toi Hugo? Moi en fait, dès mon arrivée à Carcassonne, j'ai pu participer à des tests en fait pour intégrer la sélection du Languedoc. Oui. Et cette sélection du Languedoc donc partait en tournée en Afrique du Sud pendant 3 D'accord. semaines. D'accord. Donc à ma grande surprise, j'ai été retenu et donc on a pu pendant 3 semaines jouer contre des provinces sud-africaines. C'est solide, non? Oui. C'est assez solide. La barrière de la langue, est-ce que ça a été un problème pour vous? Vous avez dû travailler encore un peu plus l'anglais, puisque on parle un petit peu l'anglais là-bas. Comment vous en êtes sorti? Parce que je pense que il parle pas bien l'odo là-bas. Hein. Non, hein, ouais, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Bon, nous, la plupart du temps, on était entre français, ce qui était un problème. Mais après, on a essayé de se mélanger, parce qu'on jouait, on avait des réceptions avec eux et tout. Mais du coup... Certains parlaient africaineurs, donc leur langue là-bas du coin, mais anglais.
Et donc on a essayé à faire des efforts pour essayer de les comprendre et pouvoir bien échanger sur leur culture, leur mode de vie. D'accord. Pareil pour toi Mathieu au niveau de la langue. Alors non, moi en fait je suis parti tout seul, donc du coup il a fallu que je m'adapte, je vivais avec eux. Et c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué les deux premiers jours, parce que moi qui ai bien parlé et discuté avec les gens, là, pendant deux jours j'étais un peu bloqué. Il a fallu que je me force pour pouvoir discuter et m'intégrer. Mais au bout de mois c'est allé très vite. Je suis revenu, je pouvais parler normalement avec presque bilingue. Non, pas presque bilingue, mais avec mes mots ils me comprenaient. D'accord. Et moi je les comprenais, donc ça allait. Est-ce que pour vous ça a été une expérience de vie que vous retiendrez quoi tout le temps quoi? Pour moi ça a été la plus belle expérience rugbyistique que j'ai pu faire. Ouais. Surtout quand autour du rugby en fait on a eu plusieurs activités. On a appris à nager avec les requins. Et on a aussi on est allé dans une école en fait en difficulté d'Afrique du Sud et on a pu rencontrer donc tous les jeunes. D'accord. Ça a été très enrichissant. D'accord, impeccable. Nous, on n'a pas présenté un petit peu l'ITEP, c'est vrai que j'ai un petit peu zappé cette partie, mais on va y revenir puisque tu parles d'école avec des jeunes en difficulté. Nous aussi, l'ITEP, on reçoit 38 jeunes avec quelques difficultés, on va dire, que ce soit scolaire, familiale ou autre. Voilà. Et ce sont des jeunes qui sont ici en internat ou en demi-internat. Qui peuvent aussi des fois parfois aller en famille d'accueil aussi et je trouve que cette expérience que vous ramenez vous eh ben peuvent aussi les aider un petit peu à comprendre que l'extérieur et comment ça se passe un petit peu ailleurs. Voilà, donc on vous remercie encore d'être là bien sûr. Allez Clément, est-ce que tu peux poser ta question s'il te plaît? Alors, pouvez-vous nous expliquer la règle du rugby? Alors très très simplement, hein, y a pas de piège, allez-y. Bon, rapidement, le rugby c'est un sport qui se pratique en 15 contre 15. Bon, l'objectif majeur du rugby, c'est apporter le ballon en fait dans l'embut adverse. Ça s'appelle un essai et ça vaut 5 points. Voilà, rugby rapidement. Après, le rugby, ça a des règles très complexes. C'est vrai, ça a des règles très très complexes avec des phases de jeu. On va y revenir vite fait. Mais Mathieu, l'ensemble des sports amène des valeurs, on va dire des valeurs humaines, des valeurs de société. Le rugby, ce serait plutôt quoi, tu dirais? Alors, c'est surtout des valeurs. C'est surtout des valeurs humaines, le rugby, qui permettent de pouvoir se mêler et de créer un véritable groupe. Une personne avec qui peut-être tu n'irais pas discuter dans la rue au rugby, ça va devenir ton meilleur ami avec qui tu vas devoir batailler pour gagner un match. Donc oui, ça crée des valeurs humaines. Oui. Et on les oublie jamais généralement. On est content de recroiser un copain avec qui on a joué, même si lui a arrêté. Voilà, ça a été un combat et derrière, voilà, on est content de le rencontrer ensuite. Alors moi, j'ai une expérience que je vais vous relater. C'est aussi les cadets de l'USEC. Souvent, il y a des problèmes où on peut se faire harceler, où il y a un petit peu d'agressivité. Ça se passe un petit peu partout. C'est vrai que, par exemple, les cadets, eux, ont développé quelque chose naturellement ou de groupe, un phénomène de groupe dans leur collège et de surveillance. Où en fait, si l'un des élèves était embêté, pour pas dire autre chose, eh bien effectivement, il y avait cette notion de groupe là qui était là, et du coup, on pouvait aussi protéger les filles de sa classe et tout ça. Et je trouve que, au nom du rugby, eh bien c'est quand même d'assez belles valeurs. Allez, on continue sur nos questions. Là, nous, on vient de faire la notion de groupe. On pourrait parler un petit peu des avant et des arrières, puisque on va expliquer comment se passe. En fait, c'est en trois temps. Qu'est-ce que c'est qu'un avant? En avant, généralement, c'est un joueur qui est quand même plus costaud que les autres. C'est ça. Qui permet de nous faire avancer, qui est là pour défendre, pour porter le ballon quand il y a un peu des conditions de jeu difficiles et qu'il faut remettre l'équipe dans le sens de la marche. Voilà, c'est eux qui font le travail. Oui. Et nous, derrière, on profite d'eux pour briller. Mais Hugo va vous expliquer un peu plus les... Alors, nous derrière. Voilà, un petit peu derrière Hugo. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, sur la façon de jouer, en tout cas, peut-être? Bah, déjà, il y a la charnière, c'est oui. Ceux qui vont diriger le jeu, en fait, qui vont faire la liaison entre les avant et les arrières. C'est la base de l'équipe. Oui. Et ensuite, on a les arrières qui vont être là pour conclure le travail des avant et de la charnière, qui sont là souvent pour briller, marquer les points. Allez, écoutez, on va rendre hommage à toute l'équipe des Espoirs, en tout cas de l'USEC. Je vais citer quelques noms pour venir symboliser tout ce qu'on vient de dire. Donc, par exemple, dans les lignes avant, vous avez les frères Lorenzon, vous avez Romain Favarotto, Robin Sanette, Noam Tramon, Romain Guyot, bien sûr, Thibaut et Gauthier Pagès, Moïse,
un nouveau venu aussi, hein, qui s'occupe à Charlemagne de l'UNSS et des filles notamment. Vous l'auriez vu mercredi, il avait fière allure. Arthur Méret, Clément Doumenc et Max Castan. On essaiera aussi d'en parler si on a le temps un petit peu de leur place, puisqu'ils sont entre, ils sont espoirs, mais ils peuvent aussi jouer avec l'équipe 1. Demi de mêlée avec Damien Hanon, Max Sidobre. Ouverture Quentin Lalarme. Les trois quarts, Max Scosi. Alors j'ai oublié, pardon, Barthélémy s'appelle comment ? Antoine, ah, bien sûr, Antoine Barthélémy, Clément Fontagne, Monsieur Basque bien sûr, Mawen Sao, les arrières avec Joss, je vais dire que ça, Benjamin Ferdinand, Hugo Bac bien sûr qui est avec nous, et on va parler un petit peu du staff, avec, on va dire les surnoms, Momo et Mémé, alors avec Monsieur Ben Bouhout et Meaji Tijini. Comment ça se passe avec eux, les rapports un petit peu là ? Très bon rapport avec eux, c'est deux anciens joueurs de l'US Carcassonne de la première qui ont une grosse expérience du haut niveau et qui sont là pour nous la transmettre. Ouais. Et humainement et sportivement, c'est des super coachs. Eh bien écoutez, ils seront ravis de l'entendre s'ils nous écoutent. On va continuer avec une question de Monsieur Rémy, si on lui passe le micro, je vais te passer le mien. Prochaine question. Vas-y Rémy. Ça veut dire quoi être espoir au club de Carcassonne ? Allez vas-y, Hugo, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Déjà, on porte un maillot, on représente la ville, donc déjà, c'est assez important quand même. Et après, au niveau esport, c'est l'élite de la catégorie U22 en fait. Mmh. Donc, ça montre qu'on a un encadrement qui est quasi plus, pro. Oui, voilà, hein, qui est basé vers le professionnalisme. C'est ça. Avec un niveau médical, un préparateur physique. Et des coachs qu'on a pu voir là, qui sont deux anciens joueurs professionnels, donc un très bon encadrement. Quels sont les objectifs pour cette année, pour vous, les espoirs de Carcassonne ? Alors, en début de saison, l'objectif était d'être champion de France, mais c'est vrai qu'on a eu des difficultés à démarrer le championnat avec pas mal de nouveaux joueurs et du coup une entente qui était un peu compliquée. Mais là, on se remet dans le droit chemin, on essaie d'équilibrer le nombre de victoires pour essayer d'accrocher le wagon qui se qualifiera pour les phases finales. Voilà. Et moi, je voulais vous féliciter pour cette belle victoire le week-end dernier face à Castres. Vous nous avez fait faire quelques gouttes de transpiration, mais quand même, le score était là. Et puis pour moi, sur le match, il n'y avait quand même pas photo. Voilà, donc félicitations à vous. Où est-ce qu'on peut vous voir jouer ? On peut nous voir jouer au stade de Grazaille, au complexe de Grazaille, à Carcassonne. Le samedi à 15h, 15h30, on est souvent sur le pré. Voilà, alors le prochain match sera le 1er décembre contre Béziers, mais à Béziers. Et on peut vous voir à Grazaille le 9 décembre au stade de Grazaille contre Albi. Si je donne rapidement le classement de la poule 3, c'est la vôtre. En 1, il y a Massy, en 2, il y a Montauban, en 3, Colomiers, Albi, Rovaldorome, que vous avez gagné, à l'extérieur, Nevers, Castres, Béziers, USC et Dax. Mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas représentatif de la forme du moment, parce que je crois que vous êtes là sur un temps fort. Voilà, on est sur une série de victoires d'affilée, sur des matchs qui ont été bons, même à domicile contre Montauban. Donc on espère valider ce week-end contre Béziers et pour pouvoir ensuite accrocher le wagon des 4 contre Albi. Voilà. Si on fait 2 victoires, on rentre dans les 4. Écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Harold, prochaine question, s'il te plaît. Quels sont vos rapports avec les pros de l'USEC ? Alors oui, là c'est important parce que comme tu disais Hugo tout à l'heure, vous êtes dans le monde semi-professionnel, voire professionnel. Je pense aussi que votre objectif, qu'à un moment donné, c'est ça puisse un petit peu monter. Et donc, quels sont vos rapports avec les pros ? Alors avec les pros, les rapports sont généralement bons. Voilà, on parle normalement avec eux. Ils sont très sérieux. Enfin, on est amené à discuter, ils sont très serviables, très gentils, voilà, il n'y a aucun problème. Quand on arrive à s'entraîner avec eux, voilà, c'est un honneur, c'est une chance, donc on essaie de tout donner. Et voilà. C'était ma prochaine question, un petit peu pour Hugo. Est-ce qu'effectivement, si vous pouvez vous entraîner avec eux, est-ce qu'il y a ce lien qui est fait ? C'est-à-dire, ben, on va essayer de monter les jeunes le plus possible, nous les anciens, on va dire un peu. Les anciens en fait sont vraiment là pour les jeunes, ils sont vraiment bienveillants avec eux, essayent de transmettre toute leur expérience pour les amener un jour à prendre leur place en fait. Et c'est cette notion de transmission qui est importante à l'US Carcassonne et qui va être, je pense, une des pièces maîtresses, de la future équipe carcassonneuse. Et là, tu parles très très bien, Hugo, parce qu'effectivement, la transmission, vous le faites vous aussi à votre niveau. Je crois que vous entraînez les minimes.
Oui, c'est ça, on entraîne les minimes le jeudi, mais on entraîne aussi avec Hugo, on encadre l'académie, c'est le pré-centre de formation de Carcassonne. Voilà. Donc on s'occupe d'une quinzaine de joueurs qui ont entre 15 et 17 ans. Oui. Et voilà, on essaie de leur transmettre tout le bagage technique que nous, on nous a appris pour qu'ils soient meilleurs quand ils montent en catégorie espoir que nous, ouais, on l'est actuellement et qu'ils puissent passer le cap. Voilà. Et puis l'effet d'être avec vous, ça booste aussi les petits jeunes, vous leur mettez plein les yeux aussi parce que c'est que du bonheur de travailler avec vous, je pense, quand même, non ? Oui, on va dire ça, oui. On va dire ça, allez, d'accord, ça marche. Allez, on va passer à... est-ce que par hasard, dans la pièce, y aurait-il une petite question à poser à nos espoirs ? Miss Laurie, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Et Miss Laurie, qui s'occupait, je vous rappelle, de faire les petites infos à RDW avant, et qui maintenant est en scolarité, donc elle ne peut plus venir à la radio, mais c'est mieux. Pose ta question. Y a-t-il une équipe féminine de rugby à Carcassonne ? Oui, il y a plusieurs équipes féminines à l'US Carcassonne. Et on a les filles qui sont mélangées jusqu'en catégorie U14, en fait. Oui. Et après, il y a donc les U18 avec l'équipe féminine. Et on a les seniors aussi. Voilà. Qui ont battu Narbonne ce week-end. C'est ça. Qui ont juste avant nous. Voilà. Et si on sort un petit peu de l'US Carcassonne, j'allais dire que même au niveau international et national, les équipes rugbystiques féminines sont à l'honneur et nous ont fait honneur puisque les filles ont remporté le tournoi des signages, je crois. Oui, et la meilleure joueuse au monde est une joueuse française. Ah oui. Ah, je savais pas. Tu connais son nom ? Jessie Trémoulière. Ah oui, 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 bien sûr. La numéro 10. Voilà. Ah, on est d'accord. Impeccable. Andrew, tu veux poser une question ? On t'a souhaité la bonne fête ? Bonne fête, Andrew. Allez, pose ta question. Est-ce que vous jouez beaucoup des matchs ? Alors oui, on joue aux alentours de 25 matchs par saison. Avant la réforme des poules, on était à 32 matchs par saison. 32 matchs par saison, c'est quand tu sais qu'il y a 52 semaines dans l'année, c'est pour te dire l'investissement qu'il faut. Monsieur Jimmy, et après, là-bas. J'ai une question. Est-ce que vous faites des tournois, voilà. Vas-y, vas-y. Non, il n'y a pas de tournoi, je crois. À rugby à 15, à notre catégorie, non, il n'y a plus de tournoi. C'est dans les catégories jeunes, souvent. Où y a des tournois. D'accord. Après, parfois, quand on doit réaliser des tournois de rugby à 7, c'est pareil, c'est les mêmes règles que le rugby à 15, sauf qu'on est 7 sur le terrain. C'est beaucoup plus physique. Oui, là, c'est des tournois. Du coup, on réalise plusieurs matchs dans la journée. Et souvent, c'est sur 2 jours. À l'impeccable. Monsieur Rudy, une question ? Est-ce que vous êtes déjà blessé depuis que vous jouez au rugby ? Bon, les blessures, oui, ça arrive. Ça fait partie du rugby. Ouais. Personnellement, moi, c'était l'épaule et le genou. Et moi, non, je me suis jamais blessé gravement et j'espère que ça arrivera. Tant mieux. Mais enfin, samedi, tu boitouillais un peu quand même en sortant du terrain. Mathieu, arrête, je t'ai vu. Hein. Quand même. Mais c'est une très bonne question que nous pose Rudy et je voudrais qu'on conclue un petit peu notre interview là-dessus. C'est que pensez-vous justement de ce rugby qui est en train de rentrer dans une phase très. Le rentre-dedans. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous inculque ? Ou vous essayez justement de vous dégager un petit peu de ça ? Nous personnellement je pense pas que ça nous plaise, en fait on est plus dans un jeu d'évitement. Oui. Mais bon, on voit le rugby professionnel avec l'apport des joueurs étrangers, qu'ils soient sud-africains et qui ont cette culture du rentre-dedans et du jeu physique. Bon, je pense que ça a une limite ce jeu et qu'on va revenir vers un jeu plus basé sur l'évitement et la vitesse. Bon, j'espère que la fédération y t'écoute en ce moment et que les choses elles puissent changer à ce niveau-là. On en retrouve Laurie pour une autre question. Quelle préparation physique vous faites et combien de fois par semaine ? Alors, généralement, la saison, on la commence le 1er juillet. Voilà, donc on s'entraîne, on ne touche pas de ballon pendant 2 mois jusqu'à la fin du mois d'août. On a un entraînement tous les matins et tous les soirs. Souvent, c'est de 7h à 10h le matin et ensuite l'après-midi, c'est de 18h à 20h. Et là, voilà, on est basé sur que de la préparation physique, c'est-à-dire de la course, énormément de courses, de répétitions de courses et ensuite beaucoup de musculation. Et après aussi tout ce qui est récupération, donc des bains froids, des étirements et tout ça. Et ça, c'est tous les jours ? Ça, c'est tous les jours pendant l'été où on a juste un jour de repos. Souvent, c'est le jeudi pour couper. Mmh. Et ensuite, samedi, dimanche. Et ensuite, quand on commence les matchs, là, on s'entraîne toute la semaine, matin et soir. Et sauf le jeudi aussi, mais bon, c'est beaucoup moins basé sur la préparation physique. C'est tout ce qui est stratégique, technique. Et voilà. Kezia, une question ?
Est-ce que c'est vous qui choisissez votre poste ou c'est en fonction de votre taille ou... Très bonne question aussi, monsieur Kezia. Le poste, en fait, au rugby, on le choisit assez jeune, en fait. C'est par rapport à nos points forts, par rapport à la vitesse ou le gabarit. Si on est grand, petit, ça va s'adapter. Après, tous les gabarits et tout le type de joueur, en fait, est adapté pour jouer au rugby, en fait. Le rugby, c'est ouvert à tout le monde. Et après, c'est les entraîneurs qui choisissent à quel poste on doit jouer ou pas. Voilà. Monsieur Dylan, tu as une question à poser ? La dernière. Vous passez à la télé des fois quand vous faites les matchs ? Alors, non. Bonne question, monsieur Dylan. Très bonne question. On passe pas à la télé, on n'a pas encore eu la chance de le faire. Peut-être qu'un jour, vous verrez Hugo y passer. même pas sur les trucs régionaux ? Alors, pas sur la télévision, mais sur Internet, non ? Des fois, il y a... Hein ? Pour le tournoi national de rugby à 7, on est passé à la télé sur une chaîne internet, voilà. Ouais, c'est ça. Allez, j'avais préparé une petite surprise, on va la faire maintenant. Merci à tout le monde d'avoir posé des questions tout à fait intéressantes. On va faire ce qu'on appelle la passe de deux. C'est un jeu, d'accord. Je vous propose deux mots. Vous n'avez le droit d'en choisir qu'un, d'accord. Et que ça va nous permettre à nous de mieux vous connaître et puis de surtout dédramatiser un petit peu votre venue. Alors, flag ou toucher? Touché. Ouais, d'accord. On va expliquer après ce que c'est le flag. Big Mac ou double Whopper? Big Mac. C'est vrai les gars ? Oh là, déception totale. Allez. terrasser les British au tournoi Destination ou être champion du monde contre la Géorgie en finale ? Être champion du monde contre la Géorgie en finale. Champion du monde aussi. Oh putain, les British quand même, non ? Non. Oh là là, d'accord. Toulon ou Toulouse ? Toulouse. Toulon. D'accord. Liberté ou égalité ? Liberté. Ouais, liberté. Liberté, d'accord. Viande ou poisson ? J'ai la réponse. Poisson. Ah, ils me font mentir. Ils m'ont fait mentir. Coca ou Pepsi ? Coca. Pepsi. Blonde ou brune ? Brune. Ma copine, enfin, mon ex-copine veut pas de coca. Les gars, je parlais de la bière. Ah. Non, mais brune alors. Bien sûr, à boire modérément, bien sûr. Gilet jaune ou diesel ? Gilet jaune. Allez Mathieu, courage. Ouais, gilet jaune. Allez, gilet jaune aussi. Attention, celle-là, elle me plaît. Mémé ou Momo ? Mémé. Ah, c'est parce que vous êtes, vous êtes des lignes arrière, les gars. Impeccable. Slip ou caleçon ? Caleçon. Ok. 15 de France ou moins de 20 ? 15 de France. Moins de 20. Ouais, impeccable. Donc, je vous remercie d'avoir joué un petit peu ce jeu de la passe de 2. On va passer à une interview vérité. C'est très facile. Une question à chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas obligé d'expliciter, d'accord ? Mais on va venir un petit peu vous chercher. Alors, attention. Question l'un sur l'autre. Ça s'appelle. Mathieu, Hugo est-il un bon buteur, même dans les moments difficiles ? Oui, c'est un très bon buteur. Eh oui, effectivement. Combien t'en as passé encore samedi ? Samedi, c'est passé un truc extraordinaire. 4 buteurs, il y a eu de chez vous. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez craqué ou quoi, les gars ? Bon, on a tous des qualités différentes, en fait. D'accord. La longueur et d'autres fois. Et là, il n'y a rien eu ce week-end. Ah, il y a un peu rien eu ce week-end. Si, t'as repris un peu le flambeau à un moment donné. Hugo, est-ce que Mathieu est un bon capitaine ? Très bon capitaine. Oh, vous mouillez pas, exemple. Les gars. C'est un de ses points forts. Ouais. Il a la tchatche, hein ? Oui. Hein, il a la tchatche. C'est ça. Il vous engueule ? Ouais. Mais on n'y croit pas trop. Ouais. Mais je pense que là, pour ça, il y a Mémé et Momo sur la touche qui font le boulot. Hein. Allez, ça marche. Une question intelligente. Il n'y en aura qu'une, hein. Ne vous tracassez pas. Conseillerez-vous à un jeune de devenir joueur de rugby professionnel à aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce que après, si sa passion, il vaut mieux vivre de sa passion et travailler tous les jours en ayant le sourire et en voulant aller travailler plutôt que faire un métier qu'on n'aime pas forcément et toucher un salaire en conséquence. Et on sait qu'aujourd'hui, le rugby, ça paye bien et que voilà, c'est être tous les jours en train de faire du sport, c'est magnifique. Très bien. Bon. Hugo, tu veux rajouter un truc ? Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit. Bon, d'accord. Question à la con. Non, les gars, vous pouvez baisser les doigts parce que là on pose plus de questions, sinon je pense que cet après-midi on y est encore, hein, les gars. Est-ce qu'il n'y a pas, Mathieu, est-ce qu'il n'y a pas un problème lorsqu'on s'appelle basque de mettre une branlée à Biarritz ou à Bayonne ? Là c'est une non. Question à la con, Mathieu, je te l'avais dit non, ça. Non, il n'y a pas de problème parce que j'ai jamais mis de branlée ni à Bayonne ni à Biarritz, donc c'est souvent eux qui me l'ont mis. D'accord. Voilà. Hugo, est-ce qu'il n'y a pas un problème lorsqu'on s'appelle BAC et qu'on n'écoute que du rap dans le bus de l'USEC ? Ouais, si on écoutait du bac, une équipe d'aujourd'hui, ça serait un peu bizarre d'écouter du bac dans le bus. Pour se motiver en plus. C'est vrai.
C'est vrai. Alors, question intime et rapidité, et de rapidité. Vous buvez? Oui. Non. Alors là, il va falloir. Donc, Hugo a dit non. Voilà. Vous fumez? Non. Vous avez entendu, les jeunes? Hein? Voilà, on est d'accord. Hein? Vous allez à la messe? Non. Non. Avec quelle célébrité vous pourriez vous marier? Rapide, comme ça. Sans trop réfléchir, les gars, sans trop réfléchir. Clément Domingue. Bonne réponse, il va être content. Jennifer Lopez. Ah, bien, bien, bien. Allez, une autre. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel choisiriez-vous? Pour voler. J'ai pas entendu ce que vous... Pour voler. Voler, d'accord. traverser le temps. Ah, bien, impeccable. Allez, une petite question folle. Le meilleur souvenir en rugby? La victoire contre Clermont l'année dernière. Ça a été un des plus beaux souvenirs pour moi. Et moi, ce sera la victoire contre Perpignan l'année dernière. Les champions de France. Avec, voilà, qui était champion de France. Ouais. Et juste avant notre repas de Noël. Voilà, on s'est fait notre cadeau à nous. D'accord. Votre plus grande folie? Sur un stade, on peut dire, hein, on peut, si vous voulez, délimiter le périmètre, sur un stade en tout cas. Peut-être ma sortie de dimanche soir. Alors attention, on a des mineurs avec nous, doucement, hein, doucement. Et toi Hugo? Plus grande folie. Ouais. Ce serait à l'époque à Auch où on sortait avant les matchs et qu'on arrivait déchiré avant les... Bon, d'accord, ok. Merci Hugo, pas de problème. Une petite anecdote au cracra. Moi j'en ai une. Allez, vas-y. Le slip troué de Clément Domingue avant de s'en changer samedi. Vous êtes des saligots quand même. Vous êtes des saligots. Tu en as une? Ouais. Et la plus grosse bêtise? La plus grosse... Promis, je ne le répéterai pas à ton père, Mathieu. Ouais. Moi je suis sage donc ça va. Ouais. Oui, on va te croire, Hugo. On va te croire. La plus grosse bêtise, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, j'en ai quand même quelques-unes à mon classement. Donc, peut-être le fait d'avoir accompagné encore une fois Clément Domingue l'année dernière à l'hôpital ouais. après notre voyage de fin d'année en Espagne. Bon. J'espère que c'était pas trop grave. Tu as le droit d'expliquer? Oui, j'ai le droit d'expliquer. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Il a essayé de faire un ventre glisse oui. Dans la boîte de nuit, sauf qu'il avait, il n'avait pas vu qu'il y avait un poteau en fer forgé au milieu non. de la boîte. Et du coup, il s'est ouvert la tête. Voilà. D'accord. Comme quoi, vous voyez, au rugby, on dit, hein, il faut avoir un cerveau. Ben là, des fois, ils n'en ont pas. Hein. Voilà, impeccable. Allez, on va zapper un petit peu les actus. On s'excuse auprès de Madame Ribeiro, mais nous les enregistrerons à partir de lundi et vous les aurez sur YouTube. On va passer à la météo avec Monsieur Dylan Jingle. Vendredi couvert avec des averses de 10 le matin à 13 degrés l'après-midi. Samedi, beau temps, quelques nuages de 8 à 12 degrés. Dimanche, beau temps toute la journée de 6 à 12 degrés. On passe au sport. Et on va parler encore un petit peu de rugby avec Monsieur Jimmy. Pro des deux déplacements de l'UAC à 9h pour la 13e journée de Pro des deux. Voilà, et qu'est-ce que tu voulais nous dire, Jimmy? Parce que ça fait un moment que tu veux parler, alors dis-nous ce que tu as à dire. Moi aussi, vu mon tonton, quand je le voyais jouer au rugby, eh ben, ça m'a donné envie aussi de plus tard de jouer au rugby. Oui. Et maintenant, j'ai demandé de m'inscrire au rugby. Mais toi, tu habitais vers Carcassonne, vers La Valette. Hein. Il y avait un club de 13 à un moment donné. Tu n'y allais pas, hein, sur La Valette? Non, il ne voulait pas aller, mon père. Ah, c'est dommage, parce que tu aurais rencontré un très très grand éducateur de 13. Allez, on va passer... excusez-moi, je vais vous interroger vite fait, Mathieu et Hugo, sur les résultats un petit peu de l'USC en ce moment, qui cartonne, j'allais dire, même s'il y a des matchs un petit peu ratés à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Début de saison très surprenant par rapport aux résultats de l'année dernière. Ouais.
Alors oui, c'est sûr que bon, on peut pas parler de matchs à l'extérieur ratés quand on voit l'année dernière comment le club a fini, mais non, voilà, c'est très surprenant. Nous, on est vraiment contents pour eux, puisque bon, en plus on a des copains qui sont de l'aventure, donc c'est vraiment bien. On espère qu'ils vont aller le plus loin possible et pourquoi on va faire des phases finales. Est-ce que vous avez une explication par rapport justement à l'année dernière où Carcassonne était un peu au plus mal? Est-ce que c'est une question de groupe là, une question d'homme? Là, la notion de groupe, la notion de valeur humaine, elle est importante, puisque voilà, on voit que des matchs à l'arraché où voilà, ils sont 15 à se battre l'un pour l'autre et à rattraper, même quand parfois il y en a un qui se rate un peu, il y a toujours le copain à côté qui rattrape le coup, et ça aujourd'hui dans le monde professionnel c'est rare voilà, pour une équipe comme Carcassonne c'est vraiment important ces valeurs. RDW, la web radio de Saint-Gilles. ITEP Saint-Gem RN 6113 11150 Brabant. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 7e numéro de RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio par les 10 ans à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 7 décembre 2018. Comment écouter l'émission? Eh bien, c'est facile. Vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez Yves Carca et appuyez sur play. Et c'est monsieur Rémi qui continue. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser des commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Nous vous retrouverons le vendredi 7 décembre 2018 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Harold. Salut, salut. Jimmy. Au revoir et bonne fin de journée. Rémi. Au revoir. Dylan. Au revoir. Clément. Au revoir. Et Andrew. Au revoir et bonne fin de matinée. Merci également au public. Bravo au public et merci de votre gentillesse et d'avoir bien écouté de vos questions tout à fait pertinentes. Et on remercie également Hugo et Mathieu d'avoir pris sur leur temps libre et de nous avoir rendu visite. Merci, au revoir. Merci pour votre attention. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW. La web radio de Saint-Eugène. RDW. Web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio. Allez, on se retrouve pour ces informations. Informations, on vous le rappelle, qui sont enregistrées en différé suite à la venue des espoirs de Carcassonne. Nous n'avons pas eu le temps lors de notre prochaine émission, donc ce n'est pas grave. Nous avons fait un petit enregistrement. C'est parti avec les informations internationales. Mathias. Le 24 novembre, en marche contre les violences faites aux femmes, a eu lieu, 30 000 personnes ont défilé ce samedi à Paris contre les violences sexistes et sexuelles. Il s'agissait d'un rassemblement
festif sans heurts. Et sans heurts, heureusement, ça a été pacifique. On passe aux informations nationales avec Monsieur Kezia. Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit. Mais quelles sont les véritables revendications et ces manifestants? Le pouvoir d'achat reste au cœur des revendications. Sur les réseaux sociaux, les internautes égrènent la liste des dernières augmentations. Alors Mathias, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette liste avec les dernières augmentations? Oui, le CSG, le prix du carburant, des timbres, du gaz, des péages, des transports en commun, des mutuelles, des forfaits hospitaliers, oui, des assurances, des cartes grises, des frais bancaires, du contrôle technique, des électricités, etc. 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 La liste est longue, effectivement. Allez, on va passer aux informations locales et manifestations culturelles. Kezia. Un concert de soutien aux sinistrés de l'Aude se tiendra au Dôme à Carcassonne le vendredi 30 novembre. Olivia Ruz, audoise, fera partie de la fête. Et je rajouterai même qu'il y a Francis Cabrel aussi qui a participé à ce grand concert. Info pratique avec Monsieur Rudy, le mot du jour. Mot du jour, revendication, action de réclamer ce qui est dû, ce à quoi on peut légitimement prétendre. Ah oui, il était dur ce mot Rudy, mais c'est bien, tu t'en es bien sorti. On passe donc aux informations de Sainte-Gemme et il n'y a que l'atelier horticole, je crois, monsieur Mathias. Oui, atelier horticulture, espace vert. Qui n'aime pas un bol de soupe fumant pendant l'hiver? La soupe devient encore meilleure avec des légumes frais de votre potager. Mais quels légumes peuvent être plantés durant l'hiver? Alors Rudy, quels légumes tu planterais toi cet hiver? Le brocoli, les choux, les carottes, les pois, la rhubarbe, le chou-fleur, le céleri, le rutabaga et les épinards. Et bien voici donc la présentation des informations vous a été faite. On remercie tout l'UP3 d'avoir participé à la réalisation de ces informations, ainsi que Madame Ribeiro et Madame Ferrier.